Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carte de crédit, la carte bancaire crypto.com. Alors, on va pas rentrer dans les détails techniques des crypto-monnaies, c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, mais on va parler de l'avantage de cette carte en tant que voyageur. Donc, vous le savez, si vous voyagez hors zone euro, un des soucis qu'il faut éviter, c'est de payer des frais de change qui peuvent être importants. Et si vous n'avez pas une carte bancaire qui propose une option de frais internationaux gratuits, et bien à chaque fois que vous allez retirer de l'argent, à chaque fois que vous allez payer dans un magasin, dans une devise étrangère, et bien vous allez avoir des frais importants. Et donc depuis quelques années, il y a des banques comme N26 ou Revolut qui proposaient des offres très intéressantes où vous pouvez avoir une carte gratuitement et l'utiliser sans frais à l'étranger. Donc ces cartes ont connu un succès très impressionnant, mais maintenant elles essayent de rentabiliser et petit à petit, ben les offres gratuites sont de moins en moins intéressantes et elles vous encouragent fortement et elles vous obligent même quasiment à payer un abonnement mensuel pour pouvoir continuer à bénéficier de ces avantages. Mais heureusement, maintenant, on a d'autres options. Vous avez sûrement entendu parler des crypto-monnaies. Et bien maintenant, certains de ces acteurs du monde de la crypto-monnaie, qui sont quasiment devenus des banques, donc elles n'ont pas encore de licence bancaire, c'est pas encore officiellement des banques, mais elles vont le devenir dans les années à venir. Et bien en tout cas, il y a certains acteurs qui proposent aujourd'hui des cartes bancaires. Et c'est le cas par exemple de Crypto.com, qui propose une carte bancaire gratuite et qui a un certain nombre d'avantages. Deux gros avantages en fait. Premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais à l'étranger, pas de frais de change quand vous êtes hors zone euro. Et le deuxième avantage, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre carte pour payer un service, que ce soit en magasin ou en ligne, vous allez bénéficier d'un cashback. Donc il y a un certain pourcentage de la transaction qui va vous revenir. Donc on va commencer sur l'aspect frais gratuits, enfin gratuité des frais de change. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte crypto.com, qui est gratuite, elle a différents statuts. Le premier statut, c'est le plus basique. Vous n'avez aucune condition à remplir pour l'obtenir. Et ça va vous permettre d'utiliser votre carte partout dans le monde, sans frais, et de bénéficier d'un cashback d'1% à chaque fois. Les retraits vont être relativement limités avec ce premier statut sans condition, puisque vous pourrez retirer 200 euros par mois sans frais au distributeur, et au-delà, vous aurez des frais de 2 ou 3% de mémoire, donc ce n'est pas intéressant dès lors que vous dépassez ce seuil. Un point important à comprendre, c'est que le cashback de 1% que vous recevez avec ce statut, vous ne le recevez pas directement en euros, vous le recevez en CRO. CRO, qu'est-ce que c'est? C'est la crypto-monnaie de crypto.com. Bon, même si vous ne vous intéressez pas, pardon, du tout aux crypto-monnaies, en fait, vous avez la possibilité de tout de suite échanger vos CRO contre des euros ou des dollars ou ce que vous voulez. Et argent, vous pourrez utiliser tout de suite pour payer un autre service. Donc vraiment, vous avez un vrai cashback de 1% à chaque fois que vous ferez une transaction. Et donc ensuite, vous avez différents statuts qui vont dépendre du nombre de CRO que vous possédez et que vous décidez de bloquer sur la plateforme pendant 6 mois. Donc si vous voulez atteindre le deuxième statut, par exemple, vous devez bloquer l'équivalent de 350 euros en CRO sur la plateforme pendant 6 mois. Et avec ce deuxième statut, vous aurez non pas un cashback de 1%, mais un cashback de 2%. Troisième statut, vous avez compris le mécanisme. Il ne faut pas bloquer 350 euros de CRO, mais 3 500 de CRO. Et avec ce nouveau statut, vous bénéficierez de 3%. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de statuts comme ça. Donc, alors, quand on a des moyens comme les nôtres, on s'arrête au statut 1 ou 2. Mais alors, pour l'anecdote, le plus haut statut pour l'obtenir, il faut bloquer l'équivalent de 350 000 euros de CRO sur la plateforme. Et là, les avantages sont complètement fous. Je crois que vous avez 10 ou 11% de cashback. Vous avez accès à un système de réservation de jet privé. Alors, je ne connais pas les conditions et je ne les connaîtrai jamais, je pense, mais c'est assez marrant. Et en fait, à chaque statut, vous avez plusieurs avantages qui s'ajoutent. Donc, sur le statut numéro 2, vous avez votre abonnement Netflix qui est remboursé. Le statut numéro 3, vous avez Netflix plus Spotify qui sont remboursés, etc., etc. Donc, vraiment, c'est des avantages super intéressants. Même si vous vous arrêtez au niveau 1, donc carte sans stocker le moindre CRO, et le niveau 2, où il faut stocker l'équivalent de 350 euros, ce qui est accessible, déjà, vous avez 1 ou 2% de cashback sur chacune de vos transactions. Donc, c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? L'alimentation de la carte, ça c'est un élément important. Et l'avantage, c'est que sur crypto.com, c'est très simplifié, puisqu'en fait, votre carte, vous pouvez l'alimenter par carte bancaire
en euros. Donc vous utilisez votre carte bancaire française classique, vous décidez de mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros, ce que vous voulez. Vous payez par carte, il n'y a aucun frais, et tout de suite, ça alimente vos cartes crypto.com. Donc encore une fois, même si vous ne vous intéressez pas au Bitcoin, à Ethereum ou autre, bah cette carte elle est intéressante car elle va vous permettre de bénéficier de cashback sans aucune condition, et surtout d'avoir les frais, de ne pas avoir de frais à l'étranger, d'avoir des frais de change sans aucun frais. Et donc pour s'inscrire, il suffit de télécharger l'application. Alors c'est un des petits inconvénients de crypto.com, c'est qu'ils n'ont pas de site internet sur lequel on peut s'inscrire, etc. Il faut absolument télécharger l'application, qui en plus n'est pas super bien faite à mon sens. Vous avez une procédure de vérification d'identité, où on va vous demander de prendre en photo une pièce d'identité, de vous faire un selfie pour vérifier que vous êtes bien la personne que vous indiquez être. Il y a quelques jours de délai avant que votre compte soit validé. Ensuite, vous pouvez commander votre carte qui arrivera en quelques semaines. Alors, avant, les délais étaient assez longs, maintenant ils sont considérablement réduits. Vous pouvez commencer avec le statut le plus faible sans stocker aucun CRO. Et si vous voulez plus tard le faire, et ben vous n'aurez pas besoin de changer de carte. Le statut s'ajustera automatiquement. Et dès que vous avez votre carte, il vous suffit de l'alimenter et commencer à l'utiliser. Donc moi, c'est vraiment la carte que j'utilise au quotidien, même en France, puisque je bénéficie du cashback, ce qui est super intéressant et ce que me propose quasi... Enfin, ou alors avec des conditions beaucoup moins intéressantes des cartes françaises. Et du coup, là, par exemple, je suis en Thaïlande. À chaque fois que je vais au magasin, même je m'achète une boisson à 50 centimes, j'utilise ma carte crypto.com. Alors non seulement parce que c'est pratique, il n'y a pas besoin d'avoir des pièces, etc. C'est en sans contact, c'est très pratique. Et puis mine de rien, je récupère 1% ou 2% en fonction de mon statut à chaque fois. Et petit à petit, finalement, ça, même si c'est des petites sommes à chaque fois, et au bout d'un an, ça va faire des sommes qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous intéresser à cette carte crypto.com si vous êtes amené à voyager, et même d'ailleurs si vous n'êtes pas amené à voyager. Il n'y a rien de technique. Si vous ne vous intéressez pas aux crypto-monnaies, que vous ne savez pas comment ça fonctionne, et vous pouvez utiliser sans aucun problème uniquement avec des euros. Il n'y a vraiment aucune complexité. Et puis voilà. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage, qui vous permettra de bénéficier de 25$ offerts au moment où vous inscrirez. Et moi, je bénéficierai aussi de 25$. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et puis voilà, ça ne vous coûte rien. À vous de vous faire votre avis. Et assez rapidement, on se prend au jeu. Quand on récupère 1% ou 2% à chacune de nos transactions, ça fait plaisir. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne nous incite pas à acheter, dépenser davantage. C'est pas le but. Le but, vraiment, c'est de récupérer un petit peu de cashback à chacun de votre achat. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets aussi le lien en commentaire vers l'article du blog qui rentre un petit peu plus dans le détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. À plus tard !